Allô, mes petits chatons, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je vous mets notre décor dans le fond. Donc, c'est mes deux bibliothèques et ma vitrine. Je voulais vous présenter, parce que bah, voilà, ma page n'est pas que dédiée aux bouquins. Et je voulais vous présenter un petit peu ma collection Disney, étant fan de Disney. Donc je pensais aujourd'hui commencer avec mes figurines Disney Tradition et mes figurines Brito. J'en ai pas énormément. Mais après, voilà. On doit déménager et j'espère que par la suite je pourrai m'en racheter une pour justement mettre toutes les figurines comme ça et continuer ma collection. Donc voilà. On va commencer par une figurine que mon chéri m'a achetée quand on était à Disney. Il y a 1 an, 2 ans. Ouais, peut-être 2 ans, ouais. Il s'agit de mon petit Stitch. Il est tellement craquant. J'adore. Étant fan de Stitch, je pouvais que aimer. Voilà, donc ça c'est ma toute première figurine Brito que j'ai eue. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs ma première figurine que j'ai eue dans ces collections-là. Ensuite, je vais vous présenter des figurines que j'avais eues en promo. À Micromania, il y avait une promo, il y avait des soldes, et du coup, j'avais eu ces. Il y avait les quatre, il me semble. J'avais trouvé ces quatre-là. Alors, je vais. La petite mini. Sais pas si vous voyez bien. J'ai tout trop mimi dans cette petite position là et puis voilà quand je l'ai vu en promo j'ai fait tiens allez pourquoi pas. Ensuite et ça avec un de mes personnages préférés, un de mes Disney préférés, il s'agit de Marie des Aristochats. Elle est tellement belle. Je trouve qu'elle est hyper simple, mais qu'elle est sublime en fait. Je trouve qu'elle est hyper bien représentée en fait dans la posture, avec le nœud, enfin, avec ses nœuds plutôt. J'aime beaucoup. Ensuite, un petit personnage qui me fait toujours rigoler quand je regarde ce Disney, et il s'agit de Pampan. Pampan qui est dans une position un peu rigolote. C'est un peu la position dans Bambi où il se fout un petit peu justement de Bambi. Et voilà. Et ensuite, un petit dernier dans la collection Brito. Il s'agit de Winnie l'ourson. Alors vous voyez, c'est vraiment des petites figurines qui. Elles sont à, je crois, sans promotion, à peut-être 20 euros. Je crois que c'est 19,99. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. Elles sont super bien faites. Voilà.
Maintenant, je vais passer aux traditions. Tradition, j'en avais pas jusqu'à Noël l'année dernière. C'est toujours mon chéri qui me l'a pris. Et il s'agit de Stitch en version Noël. Stitch qui est en train d'emballer un cadeau de Noël pour Lilo. C'est pareil, je trouve, mais trop beau. C'est un autre style. C'est un autre style, mais que j'aime beaucoup aussi. Je trouve que c'est quand même coloré. Elles sont super bien faites. Enfin, franchement. Voilà. Et ça a été ma toute première figurine. En tradition, parce que ben voilà, je suis pris pour mon Noël parce que j'avais une carte cadeau avec mon travail et du coup je m'étais pris ça. En fait, je savais vraiment pas quoi prendre. Mes cadeaux de Noël, ben ils étaient faits donc ben, je me suis dit bah ben, pourquoi pas me faire plaisir et du coup je me suis pris deux Brito. Ah, il s'agit de Winnie l'ourson. Que je trouve bah, trop mignon avec son petit pot de miel. Enfin, j'aimais beaucoup. Il y en avait énormément d'autres. Il y avait Bambi, il y avait. Enfin, il y en a tellement. Et j'espère un jour pouvoir me prendre celles avec les sept nains sur quand ils rentrent du travail. J'espère un jour pouvoir me la prendre. C'est vrai que. Mais voilà, enfin, faut que je change de vie. Enfin. Faut que je me reprenne une vitrine pour la mettre parce que c'est vrai que elle doit peser quand même son poids quand je vois quand même que celles-là elles sont pas lourdes mais la grande elle est quand même un peu plus lourde. Bah vous allez me dire c'est normal hein. Mais quand je vois le poids je me dis celle-là elle doit être hyper lourde et du coup ouais, j'aimerais bien avoir une vitrine que je sais que je pourrais bien installer et que bah, on va le voir et que je mettrai que celle-là. Voilà. Et ensuite, et on retrouve mon petit Stitch, mon petit chouchou. Avec la petite grenouille. Il est tellement beau. Il est tellement beau. Ah, celle-là, il me la fallait. Je l'ai vue, j'ai fait, oh, on va la chercher parce que celle-là, il me la faut absolument. Et elle existe aussi en pop et j'aimerais bien l'avoir aussi, la Stitch avec la petite grenouille. Je me la cherche vraiment. Après, bon, pourquoi pas, quand j'aurai une bonne occasion de la trouver, pourquoi pas, je la prendrai, je pense. Mais voilà. En attendant, j'ai la tradition et ça me va très bien. J'en suis fan. C'est l'une de mes préférées. Je pense que dans celle que j'apprécie plus, bah, il y a mes deux grands Stitch, forcément. Il y a celle-ci. Et je dirais qu'il y a Pampan et Marie en version Brito. Donc voilà. Pour le moment, je n'ai que celle-là. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. Enfin, voilà. Et ben, si vous avez des astuces pour en avoir à bon prix, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt mes chatons pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous.